Que la paix et la grâce du Seigneur soient avec vous. Amen. Nous comptons matin pour nous capables ensemble avec vous sur la plateforme Rencontre Matinale pour nous capables partager avec vous la parole de Dieu et nous remercier Pasteur Joël pour l'invitation. Et c'est toujours avec plaisir lorsque nous avons occasion pour nous capables de partager la parole de Dieu avec le peuple de Dieu pour nous faire. Ce n'est pas une occasion que nous jamais rater. Donc, nous disons bon Dieu merci pour le privilège ça que le bon nous. Nous sommes aujourd'hui le 1er août, alors moi souhaite nous déjà un bon mois d'août. À vous-même qui écoutez nous, quel que soit, j'ai appris que vous êtes très très nombreux sur la ligne et quel que soit dans la zone que vous écoutez aux États-Unis ou ailleurs, moi salue nous et moi souhaite que bon Dieu soit capable de bénir nous. On connaît depuis le matin nous ensemble et là c'est le moment pour nous capables encore une fois d'entendre qui provision que bon Dieu soit gagné pour nous. À travers question ça que nous posons comme sujet, mon cœur tout entier est-il à l'Éternel? Mon cœur tout entier est-il à l'Éternel? En créole, t'a dit, est-ce que tout cœur c'est pour l'Éternel? C'est vous-même qui t'a dû poser peut-être aux questions ça. Assurément, vous posez aux questions. Mais reposons la question ça encore. Gardez-vous dans le miroir de la parole de Dieu. Gardez-vous dans le miroir de Dieu. Avec un cœur sincère, demandez-vous, est-ce que j'aime vraiment tout c'est pour bon Dieu? Dans le contexte côté que nous tirons, thème ça dans 2 Chroniques chapitre 16 verset 9a, il est question de Asa qui t'a fait un revirement. Cœur Asa t'a fait un revirement. Femme de Asa, ça, qui c'était roi Juda, c'était un roi qui t'a gagné un bon début. D'ailleurs, dans le chapitre 14, là, il dit non, Asa, il t'a qu'on fait bien ça dans yeux bon Dieu. Asa fit ce qui est bien et droit. Remarquez, mes frères et sœurs, Asa, le roi Asa, il faisait ce qui est bien et droit aux yeux de l'Éternel, son Dieu. Ce qui est le cas de plusieurs d'entre nous. Lorsque nous avons commencé dans la vie chrétienne, nous avons tout nous-mêmes été pour bon Dieu. La vie nous était pour bon Dieu. L'argent nous était pour bon Dieu. Et avoir nous c'est pour bon Dieu. Connaissance nous c'était pour bon Dieu. Corps nous c'était pour bon Dieu. Cœur nous c'était pour bon Dieu. Pensée nous c'était pour bon Dieu. Mais au fur et à mesure que traverser a fait, est-ce que par un détachement, je dis, gardez pour eux depuis lorsque vous avez accepté Christ, à cogner là pendant que vous attendez des paroles, ça, qui distance corriez par rapport à bon Dieu. Ou l'église, c'est vrai. Au souligne, c'est vrai, matin, soir, dans la rencontre, ou attendez toute qualité émission, mais est-ce que cœur tout entier est pour bon Dieu? Même Jean Hazard, lorsque il a commencé royauté, il a fait ça qui est bien aux yeux, ça qui est bien et droit aux yeux de l'Éternel, son Dieu, mais est-ce que vous-même, vous toujours été dans la ligne là? Asa tellement fait qu'on fait ça qui bon, ça qui bien, ça qui droit. Lorsque Asa monte roi et nan les fait disparaître, les fait disparaître tout hôtel qui était côté était conservé Dieu étranger et les hauts lieux. Les briser statues et les bâtir des poteaux sacrés et les ordonner à Juda pour chercher l'Éternel, le Dieu de leurs ancêtres. Et puis, ils mettaient en pratique la loi et les commandements. Ils font disparaître dans toute ville-là les hauts lieux, c'est-à-dire, ti coin sec
yo côté vaudou, côté moun tap servi diable fait disparaître tout ça et li gagne les piliers sacrés côté qui était réservé à soleil. Et mes frères et sœurs, royaume nan te gagne en tranquillité pendant Rey Asa. Mes frères et sœurs, Rey Asa était marqué par la paix. Pourquoi Rey Asa était marqué par la paix? Parce que il était connu faire ça qui bien, ça qui droit dans yeux l'Éternel. Constat ça, mes frères et sœurs, c'est refrain que t'ayé pour tout roi Juda dans livre chronique là. Obéissance yo à bon Dieu conduit à la paix avec Dieu. Conduit à la paix avec les autres. Dans cas roi Juda, obéissance assure la paix au royaume, assure la paix. Donc ou pas gè pays qui vient faire, dès que pays a li obéit à l'Éternel, mes frères et sœurs, pas gè pays qui vient faire la guerre. D'ailleurs, il a toujours remporté la victoire parce que bon Dieu a défendu yo. Et c'est ça même que bon Dieu te promet yo et dans les siècles avant. Si on obéit à l'Éternel, la garantie yon relation paisible avec ennemi yo. Mais si on désobéit, y a gen bâton nan kòr yo. Et si nous faisons un gros traversé sorti dans chapitre 14, traversé chapitre 15, côté que dans chapitre 15 nous parlons à Asa. Asa qui vient gagner zèle contre l'idolâtrie, etc. Et plus bas, nous parlons erreur dans chapitre 16, erreur Asa pral commettre. Erreur Asa pral commettre, c'est qu'il pral fait alliance avec des ennemis. C'est plus gros bagage, c'est plus gros erreur que un chrétien capable de faire dans la ville lorsque ou quitter l'Éternel et pour pral faire alliance avec moun ki pa nan bon Dieu. N'est-ce pas vrai qu'il est écrit que relation qui gagne entre lumière et ténèbres? Qui relation qui gagne entre prophète Baal et moun ka servi bon Dieu? Je dis à nous en pile moun dès que yo commencé gagne ti réussite. Bon, plutôt, pas on réussit, dès que yon gon ti succès, yon succès a, yon pas arrivé qu'à contrôler, il faut que yon al cherche yon bagay, yon sort, yon bagay qui et sous conseil l'autre monde des fois, yon al cherche un degré. Ou konnen grand pile pasteur qui m'a son loge, grand pile pasteur jodi a la, qui nan toute qualité secte, grand pile pasteur parce que yon besoin gon bon Dieu en plus. Mes frères et sœurs, dans le cadre de servir le Seigneur, et l'équation n'est pas Dieu plus quelque chose. L'équation, c'est Dieu plus Dieu égale solution. Parce que, bon verset qui dit, le secours de l'homme n'est que vanité. C'est seulement avec Dieu qu'on est capable de faire exploit. Seulement avec Dieu. Donc, on n'est pas capable de mélanger bon Dieu à aucun autre bagaille. Et c'est ça, erreur, ça, hasard, t'es trouvé que l'y fait, hasard, t'es allé fait, sur 36e année, réélu. Hasard, il est yon roi, et puis, pour lui monter contre Judas, lui demander, lui rentrer, lui fait une sorte de alliance ensemble avec lui. Et qui c'était une chose stupide que tu fais. D'ailleurs, le voyant Anani, c'est ça que le pral dit dans verset 7 là, chapitre 16 là. Anani a joint Asa, il dit Asa, parce que tu t'es appuyé sur le roi de Syrie et que tu ne t'es pas appuyé sur l'Éternel ton Dieu, l'armée du roi de Syrie t'a échappé. Les Éthiopiens et les Libyens se formaient-ils, ne formaient-ils pas une grande armée avec des chars et un grand nombre de cavaliers? Et cependant, parce que tu t'étais appuyé sur lui, l'Éternel les a livrés entre tes mains.
Et frères et sœurs, dans verset 9, côté nous tirer et sujet nous, on lui dit, l'Éternel lui a parcouru toute la terre avec ses yeux. Pour qui ça? Pour le soutenir, pour aider les gens qui ont cœur attaché à lui-même sans réserve. Mais frères et sœurs, les gens que bon Dieu soutenir, les gens que bon Dieu aider, les gens que bon Dieu aider, délivrer, les gens que bon Dieu bail succès, les gens que bon Dieu bail réussite, c'est les gens qui ont cœur tout entier à lui-même. Mais frères et sœurs, je voulais dire au matin, probablement que Hazard n'a pas pensé que bon Dieu tape au courant de stupidité là. Ouais, et l'homme dit stupidité, c'est pas parole Pam, c'est parole Anani qui dit tu t'es comporté de façon stupide dans cette affaire, car désormais tu auras des problèmes, tu auras des guerres. Donc souvent moi-même avec ou nous agis de façon stupide. Peut-être nous ne doit pas aller faire alliance, nous ne doit pas aller dans diab, nous ne doit pas aller dans ouzi crucien, nous ne doit pas aller dans maçon loge, nous ne doit pas aller dans ceci dans cela. Cependant mes frères et sœurs, les problèmes ou gagnent côté qui est soit aller d'abord, est-ce que c'est côté bon Dieu ou aller, est-ce que c'est côté bon Dieu ou aller pour régler problème moi? Mes frères et sœurs, lorsque c'est côté bon Dieu, lorsque cœur, lorsque on a un problème, lorsque son monde cœur totalement est voué à Dieu, lorsque son monde cœur totalement est attaché au Seigneur sans réserve, tout entier, pas de problème qui est capable de camper devant, non? Parce que bon Dieu là, ensemble avec vous, ou pas capable de bailler bon Dieu tout cœur, tout ou même, toute la vie. Ou. Et puis pour rendre compte que vous avez un problème, et puis bon Dieu pour quitter. Ou. Non, jamais, ça ne peut jamais arriver. Ou doit bailler bon Dieu cœur. Bon Dieu, c'est ça la tonne. Dans le proverbe, et il y a un verset à côté, le Seigneur même lui dit, mon fils, donne-moi ton cœur. Maintenant, le Seigneur est en train de vous demander votre cœur. Et il pas demandé un cœur à moitié. Il pas demandé un cœur à demi. Il pas demandé un petit câlin dans le cœur. Il pas demandé un moitié cœur. Le Seigneur veut gagner tout cœur. Là, le Seigneur gagne tout cœur, il gagne toute attention. Là, le Seigneur, au qu'on remet. Là, bah, y'en a tout cœur, ou bien là, bah, y'en fit tout cœur. Ou bien, j'en fous, j'en d'amour. Il en est de même, mes frères et sœurs. Bon Dieu voulait que ou bah, tout cœur, ma terre. Pas gen un yen ou capable faire qui cache devant, qui capable cacher devant le Seigneur. Dans Hébreux chapitre 4, verset 13, nous lit. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Pas gen anyen capable cacher devant bon Dieu. Bon Dieu connaît que nous tous. Bon Dieu connaît que nous, connaît que frère Jorel, il connaît que sœur Livie, il connaît que chaque monde, quel que soit côté où il est là, cap côté noir. Le Seigneur connaît que. D'ailleurs, nous chaque nous derrière en ligne téléphonique, m'pa ka wè ou, frère Joël pa ka wè ou, et c'est ça qui fait que des fois tout à l'heure m'a tendé, il y a deux numéros que il pa connaît, il mandé moun nan pou l'identifier. Parce que il pa ka wè ou. Mais on connaît le Seigneur wè nous tout. Li wè nan ki position, li wè sou chita, li wè sou couché. Li wè si pendant ou tande li lan ou fond des ordres. Le Seigneur wè tout bagay sous contrôle la vie nous. Dans Psaume 139, les derniers versets, les deux derniers versets, le psalmiste dans la prière lui dit, sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Ou qu'on a eu une raison qui t'a fait, le Seigneur t'a rejeté Saül. Saül qui t'est capable de gagner un règne affermé pour toujours sur Israël. Parce qu'il t'a fait une erreur. Erreur, ça, il a fait, c'est que dans la situation qu'il t'a eu, au lieu qu'il a consulté bon Dieu, il a consulté en devin. T'as pour qu'il y ait un peu de monde qui dit le protestant, qui dit le chrétien, il n'a pas allé, mais il voyait où est pour lui. L'Éternel, où est ça?
Saül à côté Samuel, le prophète Samuel à côté Saül, il dit: tu as agi en insensé. Tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel, ton Dieu, t'avait ordonné. L'Éternel aurait affermi pour toujours ton règne sur Israël. Juste stupidité, ça seulement. Gapil dans nos protestants, nous stupides en pile, en pile, en pile, en pile, en pile. Nous stupides en pile. La façon que nous avons agi, la façon que nous. Des fois, nous pensons que bon Dieu vient trop doucement. Solution, bon Dieu vient trop doucement. Voilà pourquoi nous sommes obligés à chercher une alternative. Et c'est alternative ça des fois qui qu'on fait nous crier. C'est alternative ça des fois qui qu'on met des bâtons dans nous. Ou est ça Anani dit Aza, parce que tu as agi de façon stupide. Car désormais tu auras la guerre. Et je dis que tu n'as pas la guerre, mais combien on cap crier je dis parce que tu as agi en stupidité. Ou te kon parole, mon Dieu. Mon pat agi conformément à la parole de Dieu. Je dis à ou ap kriye. Gon mari ko gen, je dis à pa li te doué mari ou. Parce qu'on pat katan bon Dieu. Parce qu'on pat katan bon Dieu, mari so gen, et pa li te doué mari ou. Je dis à la mette bâton en haut. Je dis à peut-être ou gon petit ki pa gen papa. Mais on te capable gen un petit avec mari ou bon côté qui gen papa. Mais parce qu'on pas de katan bon Dieu, ou elle l'âge a passé sous ou elle cherche un nek qui bon petit, je dis à. Je dis à gon situation yé, c'est pas là où t'as doué. Mais parce que tout simplement ou pas de suivre les directives de Dieu, ou pas de obéir à la parole de Dieu. Eh mes frères et sœurs, lorsque Wayo et Solina, juste banon ça comme exemple. Allez lire et Deux Chroniques 12, Deux Chroniques 13, Deux Chroniques 14, Deux Chroniques 15, n'après tout Wayo qui t'a fait ça qui bien devant Dieu l'Éternel, tout Wayo qui t'a obéi à la parole de Dieu, la vie où t'es connu succès. Lors obéi à la parole de Dieu, la vie où connu succès, mes frères et sœurs. Dans Deutéronome 28, c'est ça que lui dit. Je dis à toute la jeune, on a dit, moi toujours tête, moi pas jamais que, moi toujours devant, moi toujours derrière, mes conditions c'est sous obéi. Sous pas obéi, ou toujours en bas. Sous pas obéi, ou toujours que. Sous pas obéi, ou gen bâton en haut. Secret pour capable faire succès dans mon Dieu, c'est leur obéir à la parole de Dieu. Oui, c'est leur obéir à la parole de Dieu. David, David dans 2 Samuel 24, 10, te al fait une bêtise. Que bon Dieu pas te permettre que le fait. Le la faire recensement peuple là. Mais bon Dieu pas te ordonner David pour la faire recensement. Lorsque David fin faire recensement, maintenant, quel commence à parler de David, c'est un te privilège pour te habiter par le Saint-Esprit. Et c'est le seul dans l'Ancien Testament qui a eu ce privilège. Maintenant, qu'elle commence à troubler. Il commence à avoir des problèmes. Nous disons dans 2 Samuel chapitre 24, verset 10, David sentit battre son cœur après qu'il eut ainsi fait le dénombrement du peuple. Et il dit à l'Éternel: j'ai commis un grand péché en faisant cela. Maintenant, ô Éternel, daigne pardonner l'iniquité de ton serviteur, car j'ai complètement agi en stupide, en insensé. Quel est bagaille ou fait? Quel est bagaille nous fait? L'homme dit ouah moi même tout. Nous fait, c'est de la stupidité. Si seulement nous t'aiguions patience pour nous t'étendre bon Dieu. Si seulement cœur nous t'est totalement à bon Dieu. Et lorsque cœur nous totalement abandonné, nous t'ayons patience pour nous tendre, bon Dieu, nous t'apprenons comment vivre nous t'ap meilleur par rapport à ça lié aujourd'hui. Frère Maxime, nous besoin assurer nous que cœur nous pour bon Dieu. Souvent nous chanter dans chanson mon corps, mon cœur, mon âme ne m'appartiennent plus. Ton amour les réclame. Les réclames, ils sont à toi, Jésus. Mais est-ce que ce n'est pas un mensonge que nous baillons lorsque nous avons chanté ça? Hein? Est-ce que nous avons chanté ça pour nous dire mon corps, mon cœur, mon âme?
Hein? Est-ce que ce n'est pas, un mensonge que nous faisons? On va dire, et bagaille que nous disons dans le champ, qui tellement mensonge, si matin, ou conscient, ou après nous compte, ou dit, mon corps, mon cœur, mon âme ne m'appartiennent plus, ton amour les réclame, ils sont à toi, Jésus. Nous dit, en toi, je me confie, je m'abandonne à toi. Tandis que, quand nous avons tête fait mal, quand nous allons, quand nous gagnons une persécution, qui côté nous aller? Quand nous gagnons un bouleversement dans la vie, non? Qui côté nous aller? Qui est-ce nous consulter d'abord? Quand nous gagnons une décision que nous pourrons prendre, qui est-ce nous consulter d'abord? Vous savez, une bagarre que mon crème, c'est le comportement de Josaphat. Lorsque Josaphat était gagné tout ça comme exemple, comment te ouais lorsque peuple a été obéi, lorsque peuple a été baillé tout entier à l'Éternel, dans l'obéissance, dans la droiture, peuple a été baillé tout entier, et lorsque l'a gardé ça qui est arrivé dans les histoires, voilà que lui-même il pourrait le retrouver face à une situation qui te fait peur, c'est vrai. Oui, situation, parce que Léovine annonçait à Josaphat que les Moabites, les Ammonites, et plusieurs autres armées, environ trois grandes armées, mettaient ensemble pour venir faire la guerre avec lui. Et on nous parle d'une foule nombreuse qui t'a avancé contre Josaphat. On nous dit que Josaphat avait eu peur. Donc, en tant que chrétien, ou ça qui arrive face à une situation ou peur, dans un pasteur qui dit, l'on chrétien peur par un bon Dieu. Ce n'est pas vrai. Un chrétien qui a peur, un chrétien capable d'effrayer. Cependant, lorsque, au lieu que peur ça pousse à agir en stupidité, en stupide, en insensé, ou tourner vers l'Éternel, laisse ça réaliser comme une victoire assurée. Le texte nous dit, Josaphat eut peur dans 2 Chroniques chapitre 20. Qu'est-ce qu'il fait? Il décida pas de chercher un devin, pas de chercher un président, pas à prendre un degré dans un secte et chose. Mais Josaphat, il cherchait l'Éternel. Josaphat se décida, il décida de chercher l'Éternel. Mes frères et sœurs, lorsque cœur tout entier à l'Éternel, lorsque la vie tout entier est à l'Éternel, mes frères et sœurs, la mer mugit, écume, se soulève jusqu'à faire trembler les montagnes, mais tu crois que le Seigneur est là ensemble avec vous, comme un refuge. Comme l'auteur du psaume 46 dit, Dieu est pour nous un refuge, un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers. Quand les flots de la mer mugissent, s'écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes, il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu, le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Dieu est au milieu d'elle, elle n'est point ébranlée. Des nations s'agitent, des royaumes s'ébranlent. Il fait entendre sa voix. La terre se fond d'épouvante. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Nous, ici, dans ce texte, c'est tout le monde dont le cœur appartient. Et dont le cœur appartient à Dieu entièrement, sans réserve, sans restriction. Le Seigneur n'a pas besoin d'un moitié cœur au matin. Le Seigneur n'a pas besoin d'un petit morceau cœur. Le Seigneur voulait tout cœur. Parce que l'elle contrôle tout cœur, mes frères et sœurs, il n'y a pas de possibilité à échec. C'est sous victoire. Nous avons un texte qui dit, avec Dieu, nous ferons des exploits et il écrasera nos ennemis. Lorsque cœur pour bon Dieu, lorsque la caille bon Dieu, toute la vie pour bon Dieu, frère Maxime, moi, je vous assure, succès assuré,
réussite ou assuré. Yon famille que quel pas pour bon Dieu, on a pour être dégât dans famille ça. Yon foyer que cœur foyer ça pas non pas pour bon Dieu, on a pour gain dégât. Yon l'église côté cœur l'église là pas pour bon Dieu, on a pour être dégât dans l'église là. Yon pays, yon nation côté cœur nation ça pas pour bon Dieu, on a pour être dégât dans nation ça. Oh, la parole de Dieu nous dit mes frères et sœurs, Asa avait agi en stupidité, voilà pourquoi désormais li t'a pral gen guerre nan kol. Oh mes frères et sœurs, lorsque cœur pas pour bon Dieu et ou agi n'importe comment, ou bay possibilité pour problème rentrer la caillou. Mes frères et sœurs bien-aimés, si nous voulons bay bon Dieu, si nous bay bon Dieu tout cœur nous, n'ap konnen victoire. Si nous bay bon Dieu tout cœur nous, n'ap konnen succès. Si nous bay bon Dieu tout cœur nous, n'ap konnen victoire. Situation yo a vini, problème yo a vini, oh calamité yo a vini, gros vent a vanté, l'orage a grondé, tremblement de terre a fait, oui, oh et ennemi l'a rôdé autour de nous comme un lion rugissant pour chercher qui est pour le dévorer, mais li pap joint nous parce que cœur pour bon Dieu, lorsque cœur pour bon Dieu, c'est toute la vie qui pour bon Dieu. Là où est ton trésor, c'est là aussi est ton cœur. Si ton cœur est en Dieu, ton trésor est en Dieu aussi également, mes frères et sœurs. Vous voulez donc que ou pas rien ou capable cacher devant le Seigneur. Ou allez, ça qui vivait avec Asa, il était arrogant. Asa, Anani fin dit mais ça qui privé le fait que il était agi en stupidité. Dans verset 10 là, il dit nous Asa fut irrité contre le voyant. Et au compte que ça le fait, il fait mettre en prison parce qu'il était en colère contre lui. Je dis c'est comme ça oui. Et gien parole ou tande là. Gien quelque façon qu'on va pas agir lorsque un monde dit ou pas doit agir comme ça, son scandale, son stupidité ou prêt pour jouer. Gien moi m'attendre des hommes je dis le fait que yo agit en stupidité contre les principes bibliques et théologiques, ils ont traité monde de monde sorte, de ignorant, de ça c'est arrogance. C'est situation hasard ça. Asa fait larguer serviteur en prison. Asa non seulement il fait larguer en prison, il maltraiter en paquet l'autre. Parce que cœur au partagé. Pour yon gen succès, pour yon gen réussite, pour yon ka atteigne yon paroxysme, yon besoin gen bon Dieu avec yon lot bagay. Ou pas besoin gen bon Dieu avec quoi que ce soit. Lor gen Jésus gen tout bagay. Passe pour m'tawa, nous chante le serviteur dans yon grand pays, les péchés ta femme souffrir. Ou pito gen Jésus passe tout bagay que le monde te capable bay. Donc frère Maxime, ou besoin mettre Jésus avec Jésus victoire assurée. Jésus seulement ou besoin. Ou pas besoin l'autre bagarre encore non. Jésus. Dans Jean chapitre 6, lorsque Jésus t'a parlé avec toute foule qui était bon côté lui et il parlait ensemble avec yo sous raison présence autour de lui, bon côté crivé, li rivé, monsieur dit quête parole ça dit qui est-ce qui capable d'entendre et on commencé à aller yon après yon. Il ne restait que les disciples et Jésus gardé yo li dit mais pour que ça nous même tout nous pas aller. Il dit mais Seigneur qui côté vous voulez pour nous aller, c'est où gain parole la vie a, c'est où gain parole réussite là, c'est où gain parole succès a, c'est où gain parole vie éternelle là, c'est où gain tout bon bagage, nous pas gain côté pour nous aller. Frère Maxime Martin ou même cap côté là. Bye bon Dieu cœur complètement. Suspend agir en stupidité même Jean Asa te fait. Suspend l'orgon problème pour c'est un monde ou aller relé d'abord, relé Jésus d'abord. Jésus qui a metté un monde sur chemin. Car il dit quand l'Éternel approuve la voie d'un homme, il dispose favorablement à son égard même ses ennemis. Mais c'est Jésus pour consulter d'abord. C'est Jésus qui met question, c'est Jésus qui a solution. Maintenant, pose une question encore. Est-ce que cœur est tout entier pour bon Dieu?
Si ou est cœur li partagé, al chercher l'autre morceau, apporter reste la bay bon Dieu. Porter tout bay bon Dieu. Laisse que bon Dieu dans cœur frère Maxime yo, ou pas besoin peur. Sauveur là tout prêt pour le sauver ou, li prêt pour le paraître. Mes frères et sœurs, est-ce que cœur li pour bon Dieu complètement, totalement, entièrement? Réfléchis à ça. Que bon Dieu bénisse nous.